En silence, Jésus vient toucher les oreilles et la langue du sourd à la parole difficile. Puis, il lève les yeux de la terre au ciel et soupire. Il se relie au souffle de Dieu avant de prononcer la parole qui redonne vie. Goûtons, voyons, respirons à plein poumon. Ouvrons-nous à ce souffle de vie. Vous habituez depuis ce matin, vous pouvez fermer un petit peu les yeux, même complètement les yeux. On respire par le nez. Si possible, on ancre ses pieds dans le sol. Je suis là, maintenant, ici. J'ouvre les yeux, ici, maintenant. Et ici et maintenant, nous sommes très heureux d'accueillir Philippe Barras, que certains d'entre vous connaissent déjà. Attention, tu applaudis déjà avant. Je crains le pire. Alors... Voilà, donc j'en dis quand même un peu plus parce que tout le monde n'est pas intime de Philippe, hein, puisqu'il y en a qui l'ont déjà entendu et apprécié dans les lundis de théologie pastorale. Nous aurons aussi la chance de l'entendre et de bénéficier de ses apports dans le nouveau certificat de liturgie qui va ouvrir à compter de la rentrée prochaine. Vous avez tout ça dans les livrets que vous avez reçus. Et Philippe est un théologien spécialisé, en particulier, entre autres, dans la liturgie, mais... beaucoup dans la liturgie, et vous trouvez bon nombre de ses articles, de ses contributions dans la Maison Dieu, dont il est rédacteur en chef. Voilà, donc après l'apport biblique de ce matin, nous avons pensé qu'il était indispensable d'aller faire une petite visite du côté de ce qu'il en est de la liturgie, qui elle aussi est un chemin vers Dieu par tout notre être. Merci beaucoup Philippe, nous sommes tout ouïes et tout entiers là, ici et maintenant. Merci, bonjour à toutes et à tous, à ceux que je n'ai pas pu saluer encore. La liturgie chemin vers Dieu par tout notre être, quel programme. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas mis sur la diapositive, parce qu'à dire vrai, j'y ai pensé avant-hier. Je voudrais commencer par vous lire un court passage d'un texte de Michel de Certeau. J'espère que vous connaissez ce texte. Si vous ne le connaissez pas encore, précipitez-vous pour aller le lire. Le titre, c'est « L'homme en prière, cet arbre de gestes ». Si vous voulez le trouver, ça se trouve dans le recueil « Faiblesse de croire » de Michel de Certeau, publié dans diverses éditions. Je vous lis juste, c'est un court texte, mais je vous lis juste un extrait. « Comment devons-nous prier ? Il n'est pas nécessaire d'user de beaucoup de paroles, répondez « maker », c'est dans la patrologie grecque. Il suffit de tenir les mains élevées. Pour trouver le vivant qui habite l'espace entier, Laurent, celui qui fait oraison, hein, c'est pas le prénom Laurent, c'est L'O-R-A-N-T. Laurent ne peut utiliser les mots habiles à capter des complaisances humaines ou les idées qui lui soumettent les choses.
Comment prendrait-il Dieu dans le filet de ses pensées d'homme ? Dépouillé de cet habit qu'il s'est taillé dans le langage humain, il se tient donc là, pauvre de savoir, riche de ce qu'il espère, dans une vigilance physique où l'âme est le sens tacite du langage corporel. Ainsi, l'hémorroïs se contentait de toucher le vêtement du maître. Ainsi, la pécheresse de répandre le parfum précieux et d'essuyer les pieds du Seigneur, ou l'aveugle-né de se prosterner. Pourquoi faudrait-il beaucoup de paroles ? La mère n'en a pas besoin pour se rappeler l'enfant qui l'habite, ni les époux pour doubler ce que leurs corps ont appris. Inutile de produire tant d'idées, de considérants et de discours. Intense, la prière du corps découvre le repos dans l'abandon. Désarmée, elle est une quête et une attente. Comme on s'assied auprès d'un malade, comme on esquisse un geste après une brouille. En devenant plus cérébrale, l'oraison a peut-être des prétentions plus hautes. A-t-elle plus de vérité ? Elle se croit plus universelle. En est-elle plus totale ? Elle pense plus de choses à propos de Dieu, mais lui parle-t-elle mieux ? L'humble offrande corporelle est déjà don total. Voici mon corps, qui devance comme une proue l'élan du cœur et que suivent bien rangées des pensées toujours inégales aux gestes de l'espoir ou de la démission. Peut-être d'abord les mots manquent, parce qu'ils sont en retard. Mais vient le jour où ils manquent parce qu'ils sont épuisés. Laurent n'en a plus. Ou de très simple, dépouillé de toute arrogance, lié à la vie d'amour comme son souffle. Je t'aime. Aie pitié, Seigneur. Viens, Seigneur. Un bruissement du cœur dans le silence du corps. On pourrait méditer toute l'après-midi sur ce passage. Peut-être vous pourriez me dire, alors d'abord je trouve que c'est vraiment, enfin, en écho à ce qu'on a entendu ce matin de Marie-Laure, notre bibliste, peut-être vous pourriez me dire, oui mais la prière, c'est pas, enfin, la liturgie, c'est pas seulement la prière, de fait. La liturgie, ça n'est pas que la prière personnelle, ça n'est pas que la prière de Laurent. C'est d'abord une prière commune, communautaire même. On va en parler de manière assez précise, je l'espère. Je vous signale juste, si vous souhaitez prolonger cette réflexion, il y a évidemment, je ne peux pas faire autrement que de commencer par ça, dans la Maison Dieu, il y a quelques bons articles sur le sujet. Si vous ne connaissez pas cette revue, je vous présente simplement la couverture du numéro 303, qui date de 2021, dans lequel il y a notamment un article de mon collègue Isaia Gazzola, qui est moine cistercien, qui enseigne comme moi à l'ISL à Paris, et qui a écrit un article vraiment remarquable sur la sensibilité que l'on peut avoir lorsqu'on rentre dans une église, parce que c'est une église habitée dans laquelle on célèbre, même si ce n'est pas à ce moment-là, dans laquelle on célèbre la liturgie. Vous pourriez aussi aller rechercher dans des numéros plus anciens, Monique Brulin dans la Maison Dieu 288, Patrick Préto dans la Maison Dieu 247, ou quand même, il faut que je le cite ici à Lyon, Henri Bourgeois dans la Maison Dieu 146. Je vais déployer au long de cette intervention cette idée que la liturgie procède du corps pour nous établir en relation avec Dieu. À la fois, je dis
quelle est sa visée, nous établir en relation avec Dieu. Et à la fois, je dis comment elle le fait. Elle le fait en passant par nos corps. Ce matin, Marie-Laure a commencé son intervention en disant « C'est quand même bizarre, on est dans une religiosité, dans une religion de l'incarnation. Alors pourquoi, dans le christianisme, le corps est-il rejeté, ignoré, marginalisé ou suspecté ?» Moi, j'entends cette question comme une interpellation pour la liturgie. Car comment mieux comprendre la place de la liturgie dans la vie chrétienne qu'en essayant de répondre à cette question ? Puisque la liturgie est le lieu même où la foi ou la relation à Dieu advient par le corps. À condition d'extraire la liturgie de l'espèce de gangue qui l'a étouffé et qui l'étouffe encore aujourd'hui, qui menace toujours la gangue du formalisme, la gangue du discours, la gangue parfois même de l'instrumentalisation. Peut-être même, et je me faisais cette réflexion en écoutant Marie-Laure ce matin, peut-être même que c'est parce qu'on a perdu l'essence même de la liturgie dans sa fonction essentielle qu'on a perdu cette dimension de l'incarnation du rapport au corps. Comme dans toute activité humaine, le corps est à l'œuvre dans la liturgie. Et même, on peut dire que tout est corporel dans la liturgie, puisque la liturgie n'est pas une vertu, ça n'est pas l'exis grec. Le corps est à l'œuvre. La liturgie ne se limite pas non plus à une simple praxis, toujours dans la philosophie grecque, quelque chose qu'on fait pour le faire, ni même comme une poiesis, c'est-à-dire comme quelque chose que l'on fait dans le but d'obtenir un résultat particulier. La liturgie est corporelle, tout est corporel dans la liturgie. Et quand je dis corps, il faut entendre ici la chair. Comme l'a signalé le philosophe Michel Henry, c'est-à-dire le corps, je le cite, en tant que corps subjectif et transcendantal, comme lieu de l'auto-affection originaire de la vie et en même temps condition d'apparition du monde. La chair telle qu'on la désigne dans le mystère de l'incarnation. Dans la liturgie, tout est corporel. J'ai mis deux photos, vous avez reconnu la veillée pascale. Ce n'est pas un hasard, quand on parle de la liturgie, de se focaliser sur la veillée pascale, évidemment. Avec le cierge pascal allumé, et puis les fidèles avec leur cierge allumé. Comment dire autrement ? Comment mieux dire, à la manière de Michel de Certeau, comment mieux dire le kérigme de la foi ? Avant même d'entendre l'acclamation « Christ est ressuscité », on entend « lumière du Christ » et on allume la lumière. Pas trop de paroles. Et même, bon, normalement, enfin, de mon point de vue en tout cas, pas trop de chants non plus. On commence la veillée pascale dans la nuit, dehors, autour du feu, dans le silence du Vendredi Saint. Et jaillit ce cri « Lumière du Christ ». Comment dire mieux, comme Laurent de Michel de Certeau, comment dire mieux la résurrection du Christ avec tout notre corps, notre vue, notre ouïe, notre odorat, nos sensations corporelles, la peau. Comment dire mieux la présence de Dieu, la présence du Christ, simplement par un cierge tenu par un diacre, qui fait ça de manière plus ou moins élégante, d'ailleurs. Il fait comme il peut. Il faut allumer, en plus, allumer le cierge pascal au feu, avec un petit coup de vent qui l'éteint, il faut le rallumer. Comment dire mieux la présence de Dieu ? Une présence de Dieu fragile, comme la flamme. Comme nos flammes, nos cierges allumés en main, ce sont
nos flammes qui nous disent combien cette foi en Christ ressuscité, présent au milieu de nous, est fragile. Comment dire mieux la foi exprimée dans la liturgie, et particulièrement à la veillée pascale, grâce au baptême des adultes ou des jeunes? Dans la liturgie, on ne nous demande pas comment on croit. On ne nous demande même pas quels sont les mots avec lesquels nous aimerions croire. On nous demande simplement de dire ensemble le credo, qu'on appelle le symbole. C'est-à-dire de poser un acte qui est un geste, de dire ensemble la foi de l'Église. Même si j'ai du mal à croire tel ou tel aspect du credo. Il m'est simplement demandé là de dire cela. C'est-à-dire de faire exister cette parole. Pas d'abord pour moi, mais d'abord pour mes frères qui sont à côté de moi. D'ailleurs, on le sait bien, parfois, quand nos esprits vagabondent un peu, on a un petit peu de mal, mais c'est rien, on rattrape le train en route, puisque si on a oublié les paroles qui suivent, si on ne sait plus trop ce qui vient après, ben nos voisins nous le rappellent en le disant. Il faut aller dans les stades de foot pour comprendre ça. Hein, quand tous les supporters disent ensemble ou chantent ensemble quelque chose qui soutient l'équipe. Voilà. Ce qui est corporel aussi dans la liturgie, c'est, je viens de le dire, c'est de se tenir en Église, de se sentir de l'Église. Comme le disait Joseph Gélineau, la liturgie, c'est la foi avec ses pieds. C'est la foi vécue avec ses pieds. On vient rejoindre d'autres. La liturgie, elle procède des sens. Ce matin, on a expérimenté tous nos sens là, dans ce temps d'immersion, et c'était vraiment très intéressant pour nous plonger, au sens propre du terme, dans notre sujet. La liturgie donne à voir, elle donne à entendre. On peut même dire qu'elle donne surtout à voir et à entendre. Elle donne aussi un peu à sentir, avec le Saint-Crème, avec l'encens. Elle donne aussi à toucher, avec modération, plus que Jésus dans les évangiles, comme nous l'entendions ce matin, plus de modération que Jésus. Et puis elle nous donne de goûter aussi. Toute la liturgie procède du corps. Toute la liturgie procède du corps. Elle n'est pas une idée, la liturgie, ni la foi d'ailleurs. Fût-elle cette idée la bonne nouvelle ? Elle n'est pas une idée. Elle est quelque chose que l'on fait corporellement. La liturgie procède du corps. En particulier les sacrements, évidemment. Mais toute liturgie, mais en particulier les sacrements. Vous savez, vous avez appris ça, ceux qui ont fait un peu de théologie, qui ont étudié un peu saint Thomas d'Aquin, que pour saint Thomas, en tout cas dans la somme théologique, il situe les sacrements directement dans la continuité de l'incarnation. Les sacrements sont la continuation de l'action, de l'œuvre de Jésus au milieu de nous. Depuis qu'il est parti rejoindre son Père, après sa résurrection, il n'est plus là, il n'est plus au milieu de ses disciples. Et les sacrements continuent son œuvre au milieu de nous. Les sacrements sont la continuation de l'incarnation du Christ. Le lavement des pieds du Jeudi Saint nous le révèle bien au sein du Triduum Pascal. C'est pas par hasard que l'on procède à ce rite du lavement des pieds le Jeudi Saint. Mais ça n'est pas pour reproduire quelque chose que Jésus a fait il y a 2000 ans. Ça n'est pas une reproduction. Ça n'est pas du théâtre. Parfois, la mise en œuvre, elle sent la limite. Hein, mais normalement, ça n'est pas du théâtre.
Il ne s'agit pas de représenter. Il s'agit de nous rendre présents à ce qui s'est joué dans le temps. Comme si cela se jouait encore pour nous aujourd'hui. C'est ça le mémorial que déploie la liturgie. Et je parle ici du lavement des pieds, je pourrais parler bien sûr de l'Eucharistie. C'est d'ailleurs ce que Jean-Paul II a dit de manière admirable dans son encyclique Ecclesia de Eucharistia au numéro 11, où il dit ceci, sa mort et sa résurrection, son mystère pascal, est tellement décisif pour la vie humaine que Jésus n'a consenti à mourir et à ressusciter qu'après nous avoir donné le moyen de faire comme si nous y étions présents. De faire comme si nous y étions présents. Comme si le temps ne comptait plus. Comme si c'était maintenant. D'ailleurs, dans la veillée pascale, ça ne vous a pas échappé, dans le chant de l'exultète, on entend tout le temps ça. Maintenant, aujourd'hui, cette nuit. C'est cette nuit que les Hébreux ont passé la mer Rouge à pied sec. C'est cette nuit. C'est ce que nous chantons dans l'exultète. Les sacrements donc sont dans la continuité de l'incarnation. Et ce qui est au cœur de la liturgie et des sacrements en particulier, c'est bien le mystère pascal, la mort et la résurrection de Jésus, qui constitue comme le moteur de toute liturgie. Et nous sommes ramenés à chaque fois à ce mystère pascal, comme si nous y étions. Les sacrements et la liturgie continuent donc l'œuvre salvifique du Christ. C'est leur fonction première de continuer l'œuvre du Christ qui est de rendre gloire au Père et de sauver tous les hommes. Comme on le disait, et on peut le dire encore, dans la liturgie de la messe, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. La liturgie procède du corps pour nous établir en relation avec Dieu. Ça commence par des processions, là voilà, procession des oblats que récupère le diacre, jusqu'à la procession de communion. La liturgie, finalement, c'est une pérégrination. Le problème, c'est qu'on en a fait des célébrations statiques. Il faudrait supprimer toutes les chaises. Bon, on laissait quelques-unes pour les personnes âgées, les personnes qui ne peuvent pas rester debout, bien sûr. La liturgie apparaît comme une médiation, comme un moyen, voilà, là, se mettre en route pour aller... La procession de communion, se mettre en route, marcher pour aller recevoir le corps du Christ et être membre du corps du Christ par la communion, c'est un moyen. C'est une médiation pour nous approcher de Dieu. On comprend pourquoi dans la célébration il y a tellement de ritualité. Comme ici, le diacre qui encense l'évangéliaire avant de proclamer l'évangile. À quoi ça sert ? Ça sert à rien. Sauf de nous aider à entrer dans l'écoute de la parole de Dieu. Sauf de nous aider à percevoir qu'à travers les mots qui sont prononcés, c'est le Christ lui-même qui nous parle. On comprend donc pourquoi le déploiement de la ritualité dans la célébration liturgique est tellement importante. Parce que la ritualité, c'est une manière de dire « c'est aujourd'hui ». C'est aujourd'hui où la célébration liturgique est mise en œuvre. Et donc, ce n'est pas seulement « je me souviens que Jésus a dit ça » quand on entend la proclamation de l'Évangile. L'objectif, ce n'est pas de se souvenir de ce que Jésus a dit ou a fait, mais de le rencontrer par la médiation du corps
de la parole, de la matière, du livre, de l'embon. C'est pour ça qu'il faut un beau livre et pas seulement une feuille de papier ou un petit carnet. C'est pas par souci d'esthétisme, c'est parce que l'enjeu, ce sont les indices corporels qui nous aident à percevoir que ce qui se joue là, c'est la rencontre du Christ qui nous parle. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout ce qui est physique, tout ce qui est corporel, est essentiel dans le rite. Le rite, par définition, est corporel. Si j'appréhende la liturgie comme une vertu de religion, comme nous le faisions de manière très ordinaire et dans l'Église catholique romaine pendant des siècles jusqu'au Concile Vatican II, la liturgie était surtout perçue comme vertu de religion, c'est-à-dire quelque chose que nous devons faire parce que nous sommes chrétiens pour répondre à la grâce de notre baptême. Nous sommes tenus d'aller à la messe le dimanche, de recevoir les sacrements, etc. Mais lorsqu'on appréhende, elle est ça la liturgie, bien sûr, je ne le nie pas, mais quand on se polarise seulement sur cette dimension de la liturgie, le corps est passif. Il suffit d'être présent, d'être là, ce qui est déjà beaucoup. Ou encore, quand on appréhende la liturgie comme un lieu d'enseignement, comme un lieu d'éducation de la foi. Parfois, on l'approche aussi comme ça. C'est parfois le risque, ou ça l'a été en tout cas, de certaines démarches catéchétiques qui utilisent la liturgie comme lieu d'éducation de la foi. Elle l'est, bien sûr. Mais si on prend cette visée-là pour la liturgie, alors on passe à côté du corps, parce qu'il est instrumentalisé. C'est un peu comme si tous les gestes, tous les actes liturgiques, étaient une forme de codification de la foi chrétienne. Et donc, il va falloir fournir les clés pour décoder. Comme si, à côté des paroles qui disent des choses, on employait un langage qui est celui du corps pour dire d'autres choses ou les mêmes choses, mais avec un autre langage. Et du coup, il faut décoder. Ah ben oui, il faut chanter trois fois « Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié » au début de la messe. Trois fois, ben oui. Parce qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu Saint-Esprit. Dans ce cas-là, le corps est instrumentalisé. Il devient simplement un langage particulier. Ce n'est pas de ce corps-là dont il s'agit dans la liturgie. Pour le comprendre, il faut entrer dans une compréhension de la liturgie qui est celle, disons, issu du Concile Vatican II, mais ça a même commencé avant, puisque je vous ai mis là quelques références, notamment Mediator Dei du pape Pie XII, 1947, bien avant le Concile, ou encore le texte de Paul VI, Mysterium Fidei, ou encore les textes des papes les plus récents, comme je l'ai cité tout à l'heure, Jean-Paul II, Ecclesia de Eucharistia, l'Église vide l'Eucharistie, ou Benoît XVI, le sacrement de l'amour, Sacramentum Caritatis, et encore récemment le pape François avec sa lettre « Desiderio Desideravi, j'ai désiré d'un grand désir ». Tous ces textes nous ramènent au fait que la liturgie déploie le mystère pascal du Christ. C'est bien le mystère pascal du Christ qui est au cœur de la vie chrétienne. Les théologiens contemporains l'ont bien montré, je me réfère surtout ici à Louis-Marie Chauvet, avec sa thèse « Symboles et sacrements ». J'aurais pu citer un ouvrage plus récent, « Le corps, chemin vers Dieu », publié aux éditions Bayard, du même Louis-Marie Chauvet. La liturgie, Chauvet dit ça, dit finalement, pour saint Thomas, les sacrements sont la continuation de l'incarnation. Avec le Concile Vatican II, on dira plutôt, même si on se situe bien dans cette dimension-là, on dira que les sacrements et la liturgie est plutôt dans la continuation du mystère pascal, rendu possible par l'incarnation. Je me réfère aussi à Don Casel, le grand théologien, moine bénédictin allemand, le mystère du culte,
qui définit la liturgie comme un mystère, comme le mystère même de la Pâque, le mystère pascal. Attention, comprenons bien le mystère pascal. Le mystère pascal, il est le passage de la mort à la vie et l'envoi de l'Esprit-Saint. C'est-à-dire, c'est une conception joannique du mystère pascal, et non pas une conception comme les évangiles synoptiques qui séparent les choses. Comme dans l'évangile de Jean, dans la liturgie, on comprend le mystère pascal comme passage de la mort à la vie jusqu'au don de l'Esprit. C'est d'ailleurs ce qu'on fait dans la liturgie, même s'il y a Pâques et Pentecôte, mais Pentecôte, c'est Pâques. Et Pâques, c'est déjà Pentecôte, puisque dans la célébration de l'Eucharistie, nous recevons le don de l'Esprit. La liturgie déploie le mystère pascal du Christ pour nous sauver. Pour nous sauver. C'est ce qu'a dit, de manière là aussi admirable, Jean-Paul II, dans sa lettre pour le 25e anniversaire de la liturgie, Vicesimus Quintus Annus, au numéro 6. La liturgie a pour première tâche de nous ramener inlassablement sur le chemin pascal ouvert par le Christ, où l'on consent à mourir pour entrer dans la vie. Voilà où se situe au plus profond la dimension corporelle de la liturgie. Elle est le lieu même où nous sommes ramenés à la Pâque du Christ pour consentir nous-mêmes à mourir et entrer dans la vie. Je cite la Constitution sur la liturgie de Vatican II, en son numéro 7, que vous connaissez. Je vous ai mis la photo, là, ce sont les vitraux du cœur de l'église Saint-Sulpice à Abbeville, les vitraux d'Alfred Manessier sur la résurrection. Pour l'accomplissement d'une si grande œuvre, le Christ est toujours là auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là présent, dans le sacrifice de la messe, dans la personne du ministre, agissant, sous les espèces eucharistiques, dans les sacrements, dans sa parole, dans l'assemblée qui prie et chante les psaumes. Autrement dit, pour l'accomplissement de cette grande œuvre par laquelle Dieu est parfaitement glorifié et les hommes sanctifiés, pour la gloire de Dieu et le salut du monde, le Christ s'associe toujours l'Église, son épouse bien-aimée. Si je vous rappelle cette parole essentielle de Sacro Sanctum Concilium, c'est bien pour nous dire que la liturgie est le lieu même où nous sommes appelés, où nous sommes invités à vivre la rencontre du Christ présent au milieu de nous. Mais il ne s'agit pas d'une présence statique, il s'agit d'une présence agissante, d'une présence active. C'est dans l'action liturgique qu'il est là. Ce n'est pas une présence, ce n'est pas une icône, ce n'est pas une statue, c'est une présence active. La liturgie se fait alors rencontre potentielle du Christ ressuscité. Potentielle, parce qu'elle n'est pas obligatoire. Certains parmi nous peuvent ne pas le vivre comme tel. C'est la liberté de chacun. Mais la liturgie, elle est d'abord, sa fonction première, si je puis dire, c'est ça, c'est de nous faire vivre, de nous faire faire l'expérience possible de la rencontre du ressuscité. Et comment s'opère une rencontre ? Bon, on l'a vécu depuis ce matin. Par nos moyens de communication. Et notre moyen de communication, c'est quoi ? C'est notre corps. Et c'est nos sens. On pourrait aller regarder tel ou tel passage de l'Écriture, j'en ai pointé quelques-uns, qui ne sont pas ceux qui ont été choisis par Marie-Laure ce matin, à juste titre d'ailleurs. Par exemple, Moïse au buisson ardent,
dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, ou la remise des tables de la loi, dans le chapitre 19. L'expérience que fait Moïse, c'est celle de la rencontre de Dieu. Et notez que ces récits, qui sont de véritables liturgies, ces récits nous donnent à mesurer, à apprécier ce qui se joue corporellement, d'abord dans l'espace, dans le lieu, avec les signes, le buisson qui brûle sans se consumer, la parole qui se fait entendre. Ou encore dans l'Évangile, je pense en particulier au chapitre 20, Marie-Madeleine au tombeau le matin de Pâques, la rencontre avec Jésus dans le jardin, qu'elle ne reconnaît pas, jusqu'au moment où celui-ci lui parle et l'appelle par son nom. Là, elle le reconnaît. Et lui ajoute, « Ne me retiens pas. » La liturgie se fait rencontre potentielle du Christ ressuscité, comme ce fut le cas pour Marie-Madeleine, comme ce fut le cas pour Moïse. Et cela passe par des rites, cela passe par nos corps. Nous n'avons pas d'autre moyen de relation, de rencontre que le corps. C'est pour ça que la liturgie est corporelle. La liturgie, c'est une rencontre de corps. Et quand on parle de corps, la dimension communautaire ici est décisive. C'est le corps de chacun, et c'est le corps que nous formons les uns et les autres. La liturgie, c'est une rencontre de corps parce qu'elle est un rapport, elle est le lieu d'un rapport de soi à soi. C'est l'expérience qu'on a pu faire ce matin pendant le temps d'immersion, là, en tout début de matinée. Ou encore, quand nous étions rassemblés ici, les yeux fermés, à découvrir le grain de raisin sous ses différents aspects physiques. C'est d'abord le rapport de soi à soi qui se joue. Et puis c'est le rapport aux autres, aux voisins immédiats. Et puis c'est le rapport à tous, l'assemblée que nous formons, et même ceux qui ne sont pas là. Et enfin, c'est le rapport à Dieu, le corps du Christ que nous formons. La liturgie, c'est une rencontre de corps. Elle déploie des rites, des médiations. Elle déploie des rites pour vivre la rencontre. C'est d'ailleurs la fonction première des rites, d'opérer la rencontre, de nous faire vivre la rencontre. Non pas une rencontre abstraite, idéale, non pas une idée de rencontre, mais une rencontre pour de bon, bien réelle, corporelle, de corps à corps. Mais une rencontre réelle, et c'est important de souligner cet aspect, enfin de mon point de vue en tout cas, par exemple quand on parle de l'Eucharistie, mais pas seulement, mais une rencontre qui est aussi pudique, qui est chaste, qui est sur la réserve, qui n'en fait pas trop. Parce qu'il s'agit de vivre la rencontre avec le tout autre, avec Dieu lui-même. Et comme le disait Michel de Certeau dans son texte, il s'agit pas de mettre la main sur lui, de l'enfermer dans nos paroles humaines. Il s'agit d'ouvrir à la rencontre avec l'indicible. Et donc c'est une rencontre qui ne doit pas trop en faire. Mais une rencontre bien réelle, une rencontre corporelle. Voyez la photo de ce petit gamin, célébration de baptême, avec son cierge allumé. Tout est dit de la foi dans ce qui est donné à voir, là, mais avec une certaine pudeur. Certains pourraient y voir simplement quelque chose de mignon, ce qui est déjà beaucoup, c'est vrai, il est mignon ce gamin. Il est à croquer.
Et puis voilà, il a un visage ouvert, lumineux. Il a des yeux qui regardent ce qui est en train de se passer. On peut rester extérieur. C'est ça la pudeur. C'est ça la chasteté. C'est ne pas mettre la main sur. Pour le dire en un mot, la liturgie est symbolique. Elle est symbolique. Autre image, le cœur du monastère de Beauzée. On aime ou on n'aime pas l'esthétique, mais quand on regarde un lieu comme celui-là, on peut se laisser saisir simplement. Et on peut entrer, peut-être, si on le souhaite. Si cette rencontre a besoin d'être pudique, d'être chaste, d'être sur la réserve, c'est parce qu'elle est eschatologique. C'est-à-dire déjà là et pas encore achevée. C'est pour ça que cette rencontre, elle doit pas être trop marquée, trop possessive. Elle doit rester sur la réserve. La liturgie est un lieu de démaîtrise. J'ai bien aimé ce qu'a souligné ce matin Marie-Laure quand elle disait que dans les quelques expressions qu'elle a reprises, en particulier dans le rite de l'Ephata, que la racine grecque dit « se laisser ouvrir ». C'est pas une action, c'est pas de l'activisme, hein, c'est se laisser ouvrir, se laisser faire. Aujourd'hui, c'est pas facile d'accepter se laisser faire. La liturgie procède du corps, oui, pour nous établir en relation avec Dieu. Et c'est pour ça que l'art de célébrer joue avec les sens dans les rites déployés. Il joue avec les sens. Et vous savez que sur nos cinq sens, on l'a déjà évoqué un peu ce matin, il y a des sens qui sont plus à distance et d'autres qui sont plus proches. Ce n'est pas un hasard si on déploie surtout dans la liturgie ce qui est à entendre et ce qui est à voir, et si on utilise peu le toucher. Parce que le toucher, c'est un sens de proximité, alors que la vue et l'ouïe mettent à distance, comme l'odorat. Et le sens qui met le plus en proximité, c'est le goût. Puisque là, non seulement c'est une proximité, mais ce n'est pas une proximité extérieure, c'est une proximité intérieure, puisqu'il s'agit de manger. Ça ne vous a pas échappé que c'est évidemment le sacrement de l'Eucharistie, seul, qui met en œuvre les cinq sens. On pourrait parler du baptême des petits-enfants avec l'image qu'on a vue précédemment, du petit gamin avec son cierge allumé, de ce geste de signation sur le front au début de la célébration. On pourrait parler des déplacements de la célébration du baptême, avec l'accueil à la porte, l'écoute de la parole, le cheminement jusqu'au baptistère, pour terminer en disant ensemble notre Père à l'autel. On pourrait regarder de près le rituel du baptême des petits-enfants pour voir comment jouent les corps, comment les corps sont les lieux mêmes où nous sommes établis en relation avec Dieu. On pourrait parler de la confirmation des jeunes, avec l'onction d'huile sur le front, l'imposition de la main, ces gestes de confiance qui marquent la confiance que Dieu a déposée en nous. On pourrait parler de l'initiation chrétienne des adultes et de ses différentes étapes, en particulier des exorcismes, des bénédictions, des trois scrutins.
du rite de l'Ephata ou Ephata, on peut dire les deux. C'est intéressant d'ailleurs le rite de l'Ephata, non seulement parce que vous avez pris l'évangile, mais parce que ce rite est facultatif. Il est facultatif. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important. Ça veut dire qu'il s'agit de juger s'il est adapté ou pas à l'assemblée. Toucher avec le pouce, l'oreille et les lèvres et dire « ouvre-toi » ou « laisse-toi ouvrir » pour souligner l'enjeu de l'écoute et de la proclamation de la parole. L'Eucharistie, avec la double table de la parole et du pain, inséparables tous les deux pour nous mettre en relation avec le Christ. Et puis les autres liturgies, la liturgie de la parole, la liturgie des heures. Si on avait le temps, on regarderait de près aussi ce qui se joue dans la célébration de l'onction des malades, où le toucher est si important. Et puis on regarderait aussi, par exemple, les rites funéraires, où là on ne touche plus. On regarde, on entend, on sent, mise à distance. Vous pourriez aller lire, par exemple, je le signale parce qu'il est sur le site internet du SNPLS, liturgiecatholique.fr, l'article, très bel article du Père Gélinot, du corps dans la liturgie, où il aborde les différents gestes. Je termine, je suis presque au bout, avec une citation rapide de Jean-Yves Hamelin dans Une poétique du rituel. Il nous dit dans un texte issu de ce livre que la particularité de la liturgie, c'est qu'elle nous ramène à l'axe de la foi chrétienne. C'est un process, la liturgie, vécu communautairement pour que notre foi, notre rapport à nous-mêmes, soit orienté sur l'axe de la foi chrétienne. C'est une manière de dire, si vous voulez, que ce qui est en jeu, bien sûr, ce n'est pas le développement personnel. Ce n'est pas seulement le rapport de soi à soi. Dans les exercices qu'on a fait ce matin, par exemple, vous pourriez faire la même expérience dans d'autres lieux qu'ici, par exemple, dans des groupes qui s'intéressent au développement personnel, à la découverte de soi-même, etc. Vous pourriez faire la même chose. Ce seraient les mêmes mots, d'ailleurs. La différence, c'est que dans la liturgie, notre corps est ramené sur l'axe fondamental, celui de la foi chrétienne. Et il le fait, la liturgie le fait, en déployant un site, ce que Hamelin appelle un site cérémoniel, c'est-à-dire un espace, un lieu, dans lequel chacun nous sommes posés, situés, et puis l'autel, et puis l'ambon, et puis le baptistère, et puis le cierge pascal, etc., etc. Et dans ce site cérémoniel, il nous est seulement demandé d'être là, d'être présent à ce qui se passe. Il s'agit encore une fois non pas de représenter, mais de nous rendre présents à ce qui se passe. D'être là, disponible pour écouter la parole du Christ, pour répondre à celle-ci, pour accueillir le corps du Christ dans le pain eucharistique, etc. Disponible et humble. Il s'agit avant tout de nous situer devant Dieu. Et c'est déjà une gloire énorme pour nous d'avoir cette possibilité de nous tenir devant Dieu, dans l'espérance de voir Dieu face à face, comme le dit le psalmiste. Les rites sont là pour ouvrir un chemin d'expérience possible avec Dieu. Et nos sens en sont les vecteurs. Notre corps personnel et le corps de l'assemblée peut ainsi entrer déjà en communion avec lui jusqu'à son achèvement,
pour que nous soyons en lui, comme lui est en nous. C'était la deuxième lecture du septième dimanche de Pâques de cette année. Un peu comme le dit le directoire pour la catéchèse, toute catéchèse gagne à s'appuyer sur la liturgie célébrée, car elle est le lieu où chacun est invité à faire l'expérience de la rencontre, à la fois personnelle et communautaire, du Christ mort et ressuscité, qui nous envoie son esprit pour que nous demeurions en Dieu et Dieu en nous. Merci beaucoup, Philippe, pour ce parcours.